Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur, nommé Michael Schumacher, avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Nicolas Martin m'accompagne une fois encore pour la course aujourd'hui. Et si nous parlions de Ferrari, la réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se soit adapté à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Alexander Albon qui part en pôle aujourd'hui, aux côtés d'Esteban Ocon. Regardons maintenant le reste de la grille. Ricciardo, Stroll, Luca Giotto et Gasly, Norris, Russell, Grosjean et Max Verstappen. Giovinazzi, Bottas, Charles Leclerc et Raikkonen. Fiat, Hamilton, Sebastian Vettel et Kevin Magnussen. King et Iceman. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Belgique, deuxième épreuve de cette saison 2 du Pilote RP, et on part en dernière position. Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je partais en 8ème position de base sur la grille, mais malheureusement, j'étais pas là à temps en fin de session, donc les temps simulés ont fait de la merde. Du coup, je me suis retrouvé 18ème et j'ai décidé de prendre des pénalités et de partir dernier avec un tout nouveau bloc. De toute façon, ça sert à quoi de partir juste deux places de mieux avec un moteur qui est usé? Bref, aucun intérêt. On vérifie les stratégies qu'on pourrait faire, mais je pense qu'on partira plus sur un soft hard. On verra bien comment ça marche. Les 5 feux vont s'allumer et s'éteindre et laisser place à la course d'ici peu. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Belgique de Mister V qui maintient sa position en tête. Les deux Renault qui sont en train de lutter pour les premières positions. Et j'essaie de faire le plus de place possible au freinage, mais c'est compliqué là. Un petit peu Verstappen 2016, là, en montant sur le vibreur sans l'accident. Et on arrive quand même à gagner quelques positions. Et on se retrouve devant l'Alfa Romeo dans la ligne. Mais derrière la Brown de Tiboun, qui s'est très mal qualifié, hein, 16e position seulement. Les Browns sont mal qualifiés en général. Et regardez la vitesse de pointe qu'on a en ligne droite. C'est rare qu'on ait un tel avantage sur nos adversaires en ligne droite. Et on veut venir attaquer la Sauber ici au freinage. C'est un bon départ déjà. Et on est juste derrière notre coéquipier. Et franchement, on s'est bien élancé là pour le coup. On s'est très très bien élancé. Et maintenant, je vais partir à la chasse de mon coéquipier à l'extérieur de Bruxelles ici. Pourquoi pas aller chercher Nixon aussi tant qu'on y est. Et gagner deux positions de façon gratuite avec nos soft neufs. Et ça a l'air de passer pour l'instant. Et il y a Mister Moon qui va tenter aussi un dépassement sur Guillaume Stop derrière. Mais il va se faire bloquer. Il va se faire stopper, on peut le dire. Et je passe devant Nick, ça va prendre sa place. Ensuite, la prochaine cible, ça sera la Toro Rosso de Nox. On est en train de les enchaîner là, ça fait plaisir. Ça veut dire que notre voiture dans la bonne fenêtre, elle a un bon rythme. On l'a vu à Silverstone, on a réalisé la pole, mais le rythme de course était éclaté au sol. C'est un peu une voiture un peu à la Haas 2019, vous savez, genre, elle peut faire des miracles incroyables, mais d'autre côté, elle peut faire des courses absolument merdiques, j'ai l'impression que c'est ça. Et on va attaquer la Toro Rosso maintenant. À l'extérieur, avant Blanchimon, et ça passe, on prend la 9ème position, on est désormais bien installé dans les points. Prochaine cible, ça va être Drakkane, qui a la poursuite de Tovigno derrière, et le gros freinage au bus stop, et on va gagner 2 positions supplémentaires. Ça fait 12 positions de gagner hein, quand même sur le départ, franchement, on s'en est très très bien sorti. Donc c'est Drakkane derrière, qui sont en lutte pour prendre la 9ème position. Donc c'est sur l'intérieur, qui risque probablement d'avoir l'avantage de la ligne. Drakkane toujours par l'extérieur, les deux sont toujours côte à côte là pour la 9ème position. Nixon est bloqué derrière et mon coéquipier aussi. Et les Brown derrière, hein, c'est vraiment une hiérarchie qui a été complètement refondée là, sur cette saison, j'ai l'impression. Et Drakkane est repassé devant d'ailleurs, je crois. Je vais me défaire de deux lignes dans la ligne droite et prendre sa 7ème position.
Là, on est en train de les enchaîner, les adversaires. C'est beau. On a du rythme sur ce circuit. Ça, c'est bien. Maintenant, on est juste derrière Franglais qui est en train de poursuivre un Paul van der Ven qui est extrêmement bien placé sur ce Grand Prix. Il a fait une très très belle qualification et on sort très très large quand même. Mais ça va quand même passer peut-être. Non, Franglais résiste bien et garde sa sixième position. Mais les pneus soft usés commencent déjà à appeler à l'aide, hein, je pense, parce que le circuit est extrêmement long. Deux tours de Spa-Francorchamps, ça fait 14 km. Hein. Oui, parce que le circuit fait 7 km autour et puis ils ont fait 2-3 tours de qualif dessus. Donc leur soft, je pense, ils commencent sérieusement à appeler à l'aide. Et je vais dépasser Franglais ici pour prendre la sixième position. Et je vais dépasser la Toro Rosso de Paul van der Ven, normalement sans trop de problèmes. Puis ensuite, on a la McLaren, la GAT juste devant. Puis après, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est les deux Renault. Et puis, on a The Mister Lui qui mène ce Grand Prix. Est-ce que enfin il ferait le résultat qui ferait le déclic de sa carrière? En vrai, ça serait bien pour lui. Et on va faire l'extérieur un bon chemin et prendre la cinquième position. On a gagné 15 places en deux tours. Franchement, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça inspire beaucoup pour la suite, là, avec les Renault qui sont en lutte, là, pour aller chercher la Red Bull. Mais on prend le meilleur tour, donc peut-être qu'on peut se retrouver dans cette lutte pour la tête dans le futur. Et on va prendre l'aspiration sur la McLaren devant. Pourquoi pas un gros freinage ici, au combe. Et on y va sur l'intérieur, et côte à côte, et on enroule par l'extérieur, et ça passe tranquillement pour prendre la quatrième position. Les Renault ne sont qu'à 3 et 4 secondes en vrai. En vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. C'est un peu plus dur, mais c'est faisable. Et on a de Mister Rui qui mène son Grand Prix, mais mauvaise nouvelle pour lui. Mon ingé a dit qu'il avait des problèmes mécaniques, donc ça risque d'être très compliqué de maintenir sa position dans cette ligne droite, même s'il fait tout pour la garder, là, il tente de maintenir par l'extérieur. Mais je crains que là, ça risque d'être Don Dasté. Oh, il résiste. Il résiste. Oh, et je m'attendais pas à une résistance, parce que normalement, quand ils ont des problèmes mécaniques, ils se rangent sur le côté, mais non. Il va pas laisser sa place comme ça pour autant. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à la fin du Grand Prix comme ça? J'en doute. Mais sa résistance est admirable. Et par contre, les deux Renault sont revenus direct. Hein. Là, les problèmes mécaniques qui doivent être assez élevés, là, ça risque d'être compliqué à tenir. Qui se décale. Donc, t'as vu qui se décale. Les deux Renault qui se décalent. Et il y a un bout d'aileron qui a volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bout d'aileron qui a. Eh, c'est Noctavo qui a cassé. Alors, ce qui s'est passé immédiatement. Ouais, il a tenté la troisième ligne, mais il était pas à hauteur du tout, là. Mais. ça passait jamais, hein. Désolé, mais là. Trois de front, tenter une troisième ligne quand t'es pas à hauteur au résilient, c'est stupide. Désolé, mais là, non, ça passe pas, là. Ça peut pas passer. Là, il s'est pénalisé tout seul. C'est con, hein, mais il s'est pénalisé tout seul, c'est dommage, parce que là, il y a des larges podiums possibles, mais il a ruiné son résultat. Et Franglais qui prend la cinquième place à la Toro Rosso de Paul van der Ven, by the way. Je pense que Tovigno devrait se débarrasser aussi de cette Toro Rosso. Parce que ça reste quand même l'une des pires voitures de la grille. Ça veut pas dire que parce qu'elle a fait une belle qualification que bizarrement c'est devenu une voiture incroyable. Et Tovigno par l'extérieur, il y a aussi le rythme de course à prendre en compte. Et Paul van der Ven résiste quand même. Hein. Il lâche pas son gagne-pain, il lâche pas son morceau de pain là, il lâche pas sa position. Et il est toujours là à l'intérieur et ça devrait le faire en vrai. Ça devrait tenir la position et il tient sa position. Bien joué! Bien joué, sixième place conservée du coup, très beau. Et on est revenu juste derrière Noctawa qui est bloqué derrière Louis Chardon, il n'a pas réussi à s'en défaire. Louis Chardon avec ses problèmes qui sont de plus en plus gros. En tout cas, belle défense de sa part, c'est dommage hein, que juste quand il peut faire sa première victoire, ce déclic, la voiture lâche. Franchement, c'est vraiment un combo de résultats mixtes, bizarres et de malchance. Franchement, c'est très compliqué, hein. La carrière de Mister Lui, je l'avoue. Et on a dépassé Noctawa, on a profité qu'il se fasse bloquer et on va dépasser de Mister Lui directement et prendre la seconde place. Et il ne reste plus qu'un seul palier avant d'aller chercher cette première place, mais c'est Kevin devant. C'est celui qui a dominé le Grand Prix de Silverstone derrière moi, donc ça risque d'être très compliqué d'aller le chercher, surtout qu'il doit être boosté en faisant son Grand Prix à domicile, alors il ne va pas laisser sa position comme ça. Ça risque d'être très compliqué à aller chercher. Non, regardez le gap qu'on a mis, hein, par contre, hein. C'est abusé le gap qu'on a mis, il est vraiment lent en ligne droite, hein. Il a vraiment un problème. Je pense que c'est vraiment situé au niveau du moteur, là, très compliqué.
Franchement, je sais pas comment il fait pour rester troisième avec un tel problème, un tel déficit moteur. Franchement, c'est un exploit. Et on va quand même tenter l'undercut ici, parce que nos pneus, ils commencent à mourir. Et ils continuent avec leur soft usé. Mais comment ils font? Moi, j'aurais dit à Pete 2-3 tours avant, là, avec des pneus aussi morts. Mais non, ils continuent. Ce qui peut me donner une belle opportunité d'undercut ici, on va mettre les médiums et aller jusqu'au bout du Grand Prix. Donc pas besoin de mettre les pneus hard. Et maintenant, il est temps de pousser cette voiture dans ses retranchements et de taper les meilleurs tours pour se retrouver en première position et après défendre. Et Kevin qui va rentrer un tour plus tard, forcément, il va réagir, voilà qui est fait. Direction les stands, est-ce que Louis Chardon va rentrer? C'est le plus important. Chardon qui ne rentre pas, et les autres qui le suivent derrière, qui vont se retrouver aussi bloqués. Regardez le train qu'il a fait, hein, d'ailleurs. Hein. Il est en train de réunir absolument tout le monde derrière lui, et ceux qui rentrent, c'est des petits malins, parce que ceux qui rentrent, eh ben, ils vont pas perdre de temps. Ils vont faire l'undercut sur les gens qui sont bloqués sur Louis Chardon, quoi. je comprends pas. Pourquoi il devrait faire l'inverse de Louis Chardon, parce qu'il est vraiment lent, hein, là, en fait. Hein. Il est en train de réunir absolument tout le monde derrière lui. Je comprends pas pourquoi tout le monde, la moitié du peloton s'acharne à le suivre. Ils devraient tous rentrer au stand, je veux dire, même faire un double stack, limite, ça fait perdre moins de temps. Hein. Là, on en est à ce niveau. Hein. Et on va dépasser l'Alfa Romeo, une hors sortie devant Kevin VDL, donc c'est bon. On serait en tête virtuellement, maintenant il faut tenir la position jusqu'au bout, et ça va être une autre paire de manches. Parce qu'il reste quand même la moitié de la course à faire. Il est en pneu hard 9, donc il risque d'être très performant sur la fin du Grand Prix. Voilà qui est fait. Le Mister lui dans les stands, avec tous les autres. Combien de temps ils ont perdu, c'est la véritable question. Hein. Parce qu'en vrai, ils risquent d'avoir beaucoup perdu de temps. Ils risquent d'avoir perdu un sacré paire de positions aussi. On va voir où tout cela mène. Et le train qui ressort. On va voir comment ça s'est passé. Draken du coup se retrouve sur le podium. Nixam 4ème alors qu'il était absolument nulle part. Paul van der Ven P5. Et Franglais qui va prendre la 6ème position. Effectivement, le train Louis Chardon qui a complètement changé l'issue de la course. Ah non, c'est Mysterion, c'est pas Franglais, excusez-moi. C'est Mysterion en fait qui est là, c'est même pas Franglais. Ça a complètement changé la physionomie de la course. Et maintenant c'est Timoun qui était nulle part dans ce Grand Prix. Forcément, bah oui, il faisait partie des premiers à s'arrêter. Et du coup, il a bien profité de la situation pour se retrouver dans les points. Et il va dépasser la Red Bull de Louis Chardon qui a toujours ses problèmes. Ça n'a pas changé hein, depuis le début de course, malheureusement. Il est toujours avec ses problèmes. Et regardez, ah, c'est dommage. C'est dommage. Hein. Il allait faire potentiellement sa première victoire. Là, il est obligé de défendre pour des petits points. Ah, c'est cruel, hein, c'est cruel la Formule 1 parfois. Alors que ici on a les deux femmes de la grille qui sont en train de lutter aussi pour le coin de la 10ème place, je crois. Et Franglais, cette fois-ci, qui va se débarrasser de la Formule 1. Je pense que là c'est bien Franglais, parce que c'est Mysterio qui est devant. Et justement, Mysterio Valenti, drapeau jaune et c'est une casse moteur. J'ai l'impression que c'est le premier DNF de la saison, hein, d'ailleurs. Un peloton extrêmement propre en termes des DNF. Et on se retrouve un peu plus tard dans le Grand Prix. Et ça y est, il m'a déjà rattrapé. Là, ça va être la lutte pour la première position. Et on est dans notre No Man's Land, puisque Draken derrière, il y a 10 secondes. Donc ça va être vraiment la lutte pour le lead. Et il a pris la première position. Ne vous en faites pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et on va prendre l'aspiration dans la ligne droite. Et se débarrasser de cette Renault, normalement. Ouais, les deux roues dans l'herbe. Hein. Il ne me laisse pas beaucoup de place quand même. Ouais, Mysterion out of race, c'est confirmé. Et je vais enrouler Kevin par l'extérieur pour l'instant. Ouh, il tente quand même de revenir. Mais ça ne passera pas. Et maintenant, il va falloir tenir jusqu'au bout. C'est ça qui va être le plus dur. Alors que Timoun ici est revenu sur Paul van der Ven qui défend sa 5ème place corps et âme. Et la Brown qui n'arrive pas à trouver d'issue sur la Toro Rosso. Ça, c'est assez remarquable. Là, la Mercedes qui n'arrive pas à se défaire la Toro Rosso. C'est quand même un sacré exploit. Franchement, très belle deuxième course hein, seulement de la part du rookie néerlandais Paul van der Ven. Alors qu'ici Kevin VDL va retenter la même manœuvre, mais c'est toujours la même recette. Prendre l'aspiration pour la grande ligne droite et s'en débarrasser au comble. C'est toujours la même chose qui va se produire. Hop là, on a une meilleure vitesse au raidillon là déjà. C'est exactement la même manœuvre, c'est une photocopie, hein, c'est une copie de la même manœuvre.
Quoique ici, je crois qu'il va être un petit peu plus résistant quand même, là. Allez, on enroule par l'extérieur avec de la vitesse. Il est un petit peu plus résistant cette fois-ci, là. Il est un petit peu plus résistant, il ne va pas lâcher l'affaire. Et sur l'intérieur, ça ne passera pas. On enroule plus de vitesse. Et encore une fois, la nouvelle attaque ici du Belge par l'extérieur. Sauf que cette fois-ci, on va défendre l'intérieur et garder la position parce que on est dans les derniers tours. Et l'IA dans les derniers tours, c'est là où elle déploie toute sa puissance. Donc on ne peut pas se permettre de le laisser prendre l'avantage dans la ligne droite. Il faut défendre cette fois. Et il tente au raidillon, mais ça ne passera pas. Vous voyez, hein, il est beaucoup plus persistant là dans la ligne droite qu'avant. Mais pour l'instant, on le tient. Et ça devrait tenir pour ce tour. Et il ne va plus rester que plus beaucoup de tentatives. Hein. Il va rester le troisième secteur. Et il va rester le dernier tour. Donc il n'y a plus tant de tentatives que ça pour Kevin ici. Alors qu'on slide un petit peu. Et ça peut être une nouvelle tentative de plus par l'extérieur de Bruxelles. Mais ça risque d'être très compliqué. Et pour l'instant, on tient toujours la place. Il ne reste plus qu'un tour et demi. Il va falloir tenir jusqu'au bout face à cette Renault qui est surpuissante, qui a l'air d'être surpuissante cette saison. Et encore une fois, il tente à Pouhon, mais c'est compliqué quand même de tenter sur l'intérieur de Pouhon. Là, on le met gentiment sur le vibreur parce qu'on sait que c'est glissant. Il faut pas qu'il y aille à fond, il le sait. Et on maintient la position. Ça va être tendu, hein. Ça va être vraiment tendu jusqu'au bout du bout. Les supporters belges qui doivent être debout hein, dans leur tribune pour supporter leur héros local. Et il est vraiment juste derrière là, il est en train vraiment de me harceler au max. Ça va être dur de tenir sur ce dernier tour, ça va être dur. Faut pas oublier que j'ai des médiums, hein. Mes médiums ils commencent sérieusement à crever là. Il est en hard, hein. Donc c'est vraiment l'avantage pneu est à lui, l'avantage voiture est à lui aussi. Ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué de tenir. Et ça slide là, les pneus qui commencent sérieusement à crever. Ouh la vache. Et Kevin qui est là, side by side, dernier tour. Et il est passé, il faut qu'on tente le dive à la source là, on n'a pas le choix. Et ça passe à l'intérieur. Et maintenant il va falloir tenir dans cette ligne droite là, ça va être crucial. Ça va être crucial pour notre lutte pour la victoire maintenant. Et il va tenter au raidillon, il le sait, côte à côte dans le raidillon, dans ce dernier tour, pas d'accrochage. Ça passe extrêmement proche entre nous deux ici. Et un joli dépassement au raidillon. Mais on va tout faire pour lui reprendre l'aspi. Il tient bien dans cette ligne droite, hein. Le moteur Renault, il marche cette saison. Et on va tenter le gros freinage au combi ici pour passer, ça tient, il tente de recroiser. Et on est côte à côte ici pour la première position, et on passe devant, et on s'est touché. Et on s'est touché, c'est la catastrophe, il a cassé, et moi j'ai perdu un temps de zinzin. Et Draken et Nixam derrière, ils sont revenus dans la lutte aussi. Bah oui, forcément, on a dû tellement de temps en se battant, ils sont revenus. Malgré qu'on avait 10 secondes d'avance auparavant. Voilà, oh, replay de ce qui s'est passé. J'avais fait mon move freinage extrêmement tardif, il me décroise et il me rentre dedans et je perds la voiture. Aïe aïe aïe. S'il prend la victoire comme ça, c'est sale. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Bon, il a cassé son aileron quand même, donc ça veut dire, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout face à du coup Draken qui a une chance de victoire aujourd'hui, ou alors est-ce qu'il va se retrouver deuxième à Spa comme l'année dernière. Et Nixam ici sur l'intérieur qui va tenter de reprendre le podium. Et oui, nos pneus ils sont en surchauffe en plus, hein. Il faut tenir avec des pneus en surchauffe et mort maintenant. Ça va être compliqué et il passe devant. Je peux pas pousser la voiture comme je voudrais, sinon elle glisserait complètement là avec des pneus morts en surchauffe. C'est impossible. Et malheureusement on a tout perdu sur cet accrochage. Est-ce que maintenant Kevin VDL va résister à Draken jusqu'au bout malgré ses dommages? Et on prend quand même l'aspiration sur Nixam ici, il y a dépassement sur Blanchimont pour reprendre le podium quand même et marquer des points précieux, donc peut-être une potentielle lutte au championnat. Encore faudrait-il que la voiture tienne toute la saison, mais pour l'instant Kevin VDL va prendre sa deuxième victoire en deux courses cette saison malgré les dégâts sur l'aileron. Mais franchement c'est une victoire qui très contestable, très très contestable hein, cette victoire quand même avec l'accrochage. Draken une très belle deuxième position. On termine quand même sur le podium et Nixam quatrième juste derrière. Okay, good job mate, really well done. That was a fantastic drive. Le Grand Prix de Belgique se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ?
Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le gagnant du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Alors que les vainqueurs du jour s'avancent vers les marches du podium, l'écurie Renault a su montrer une fois de plus ce qu'il faut faire pour bâtir une bonne équipe de Formule 1. Une victoire bien méritée pour eux. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Daniel Ricciardo peut se féliciter des points qu'il a gagnés aujourd'hui, car ils lui permettent d'augmenter encore son avance au classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Pour moi, c'est Iceman. Ils ont été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur leur performance. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Renault remonte et prend la tête du championnat. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Bon, bah ça fait deux fois qu'on s'est fait accrocher. Voilà, avec Timon Silverstone et maintenant ça. On aurait pu être deuxième et premier, à la place c'est sixième et troisième. Bon, un peu le seum, hein, on va pas se mentir. Bon, on partait quand même dernier sur ce Grand Prix, on était très proche de l'exploit de faire un last to first. Bon. C'est quand même last to podium, on peut dire, sur le papier c'est pas trop mal, mais bon, frustrant quand même. Et Guillaume 17ème, mes frères, mais Guillaume, tu fous quoi là? Oh là là, vraiment la Toyota elle est imprévisible, cette voiture, c'est abusé. Ça peut très bien marcher d'un côté et être éclaté de l'autre cette saison. Je sais pas comment on va s'en sortir honnêtement. Donc du coup, Kevin Vettel forcément avec... sa double win, ben, il a les points maximaux, il carrie son équipe à la tête du constructeur, bref, rien à dire. Noctawa qui aurait pu inscrire un podium sur ce Grand Prix n'a pas marqué le moindre point, toujours pas malheureusement, faudra attendre les Grands Prix suivants. Ensuite on a Timoun qui est second du championnat mais extrêmement loin derrière, le gap déjà qui se fait ressentir. Je suis quand même troisième du championnat après ce qui s'est passé. Ensuite on a Nixam Draken qui se soulève à la 5ème place du championnat grâce à son podium. Ensuite on a Tovigno devant Jambon, Paul van der Ven quand même avec sa 5ème position qui se retrouve bien placé, 8ème hein, avec la Toro Rosso, 8ème, oui c'est ça, 8ème, j'ai cru 9ème mais non c'est 8ème, c'est ça. Il est devant quand même la Ferrari Dory Fox et la Red Bull surtout de Mister Lui. Malheureusement il aurait pu gagner ce Grand Prix, donc bon, en vrai, je mets pas ça sur son dos parce que franchement, il a été unlucky d'avoir ses problèmes mécaniques. Franchement, c'est dommage. Ensuite, on a Belinda devant Franglais, Aguetou, Guillaume qui n'a qu'un seul petit point. C'est vrai que ça, c'est un gros contraste comparé à la saison dernière. Là, il avait gagné la première course et tout. Là, la chute doit faire extrêmement mal. Et puis ensuite, du coup, normalement, c'est Santino qui est devant Noctawa, sachant qu'il a fait le meilleur résultat, il a fait 11e. Ensuite, c'est Noctawa qui serait derrière avec la 12e place. Puis après, on aurait, du coup, Romain FRK juste derrière, parce qu'il a fait une 13e place comme meilleur résultat. Puis après, on a Mysterion, vu qu'il a fait une 14e place. Puis après, ça serait Nox qui a fait une 15e place. Et puis, Hugo McTavish qui serait dernier avec comme meilleur résultat une 17e place. Mais bon, le classement, il gère pas très bien les égalités, c'est pour ça aussi. Et on va passer directement à la F2 avec Jean-Baptiste Banane qui prend la pole position. C'est très serré, hein. Vous voyez vraiment, les performances sont vraiment très égalitaires. Tout le monde est dans le même dixième à chaque fois. J'ai bien fait attention à ce que tout le monde ait les mêmes chances. Donc Jean-Baptiste Banane, encore une fois, sur la première ligne. Cette fois-ci, aux côtés de Clément Broyard. Ensuite, on a Berly, le poleman de la course dernière qui avait spin au départ, qui se retrouve 3ème sur la grille. J'ai bien fait attention à mettre Hiroshiji au montage parce que j'avais fait la course avant qu'il me notifie de l'erreur, mais bon, je l'ai rajouté au montage, au moins je sais du coup. je ferai gaffe du coup pour les prochains Grands Prix. En tout cas, après cette course, il y aura une belle pause hein, pour la F2 parce que le prochain Grand Prix, bah, c'est le Brésil et la F2 n'a jamais été au Brésil et ce mode ne contient pas
de course de Formule 2 au Brésil. Donc la Formule 2 aura une petite pause ici. Vous voyez le highlight de la course avec Strigun et Edogawa qui s'entrechoquent. Du coup, ça, je suis surpris par ça. Et il est complètement bourré dans la ligne droite d'ailleurs, Edogawa. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est complètement bourré. Il zigzag dans la ligne droite. Il a failli la perdre dans la ligne droite. Enfin bon, je ne sais pas trop ce qu'il a foutu. Et ce fut le seul highlight de la course, à part les arrêts au stand qui ont un petit peu changé les positions, mais bon, on n'a pas accès à ça. Et du coup, c'est Ludo, partant de la 10e place, qui prend la win devant Aquari et Clément Broyard. Ensuite, on a Jean-Baptiste Benen devant Glenn Dimal, Mael Siles, encore un bon résultat, hein, il est régulier. Ensuite, on a Berly devant Kinder, Anis Nis, le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, termine seulement P9, et Matteo Gioppi qui complète les points. Puis vous avez le reste du classement. Voilà, ce fut tout pour la Formule 2. Après, on va passer justement au classement pilote. Il n'y a pas de championnat constructeur parce que, évidemment, le fait que je prenne une place dans une équipe, bah, ça fout le championnat constructeur en l'air. Donc je me suis dit, autant enlever le championnat constructeur, parce que de toute façon, toutes les performances sont égalitaires, donc limite, on s'en fout. Et du coup, c'est Ludo qui est en tête du championnat avec 55 points devant Melsen et ses 42 unités. Ensuite, on a Anis et ses 36 unités devant Aquari, 31 points. Mael Sides, avec sa régularité, est en 5e position avec 27 points devant Jean-Baptiste Banen. Ensuite, on a Robin Duhamel devant Glenn Dillman, BlaBlaF1, Raki, Berly, Kinder, Jean-Bapt, Gioppi, Hogg et Roshiji, du coup. Ensuite, on a Hacker devant Strigun, Rodiger, Jeannot, Lenny PNR, Edogawa et Vaxivière qui complètent ce classement. Donc, pour rappeler le barème, le premier remporte 30 points, le deuxième remporte 25 points, le troisième remporte 21 points, le quatrième remporte 18 points, le cinquième remporte 15 points, le sixième remporte 12 points, le septième remporte 10, le huitième en prend 8, le neuvième en prend 6, le dixième en prend 4, le onzième en prend 2 et le douzième en prend 1. Voilà, j'ai décidé que la première moitié du peloton marque des points. Je l'avais déjà expliqué sur la première course en F2, mais je préfère le réexpliquer ici pour tous les nouveaux. Du coup, qui reprendrait la série en cours de route. C'est ce genre de réglementation de points pour la F2. La F1, c'est la réglementation 2010. Voilà, donc pas de changement. Donc la F1, c'est 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Voilà, sans le point du meilleur tour, parce que le problème des temps simulés, bah, c'est les derniers qui font toujours le meilleur tour. Enfin, ça m'est souvent arrivé la première saison. J'ai remarqué quand même que cette deuxième saison, ça m'est moins arrivé, donc peut-être on peut réinclure le point du meilleur tour. Enfin, on verrait bien comment tout cela se passe. Donc on se retrouve pour le prochain rendez-vous au Brésil. On espère cette fois-ci avoir une course propre et compétitive. Allez, ciao les amis, tchuss et portez-vous bien.